On a décidé de redonner le pouvoir d'agir aux gens à travers le jeu. Faire découvrir les aspects socioculturels du jeu en milieu urbain, mais aussi beaucoup en milieu rural. Donner le goût au jeu et à tout ce qu'il va pouvoir apporter dans le développement de la personne. Promouvoir l'épanouissement que peut procurer le jeu par des animations, des formations et de la fabrication. L'idée première, c'est de favoriser et d'accompagner la population à monter des projets de proximité. Donc c'est vraiment être un lieu de rencontre où les gens vont pouvoir développer des projets de proximité, que ce soit des projets de solidarité de voisinage, de monter une petite action à plusieurs, ou de venir à la compagnie des jeux pour fabriquer. Et ça, je pense que c'est le fait qu'on soit aussi mouvement d'éducation populaire. Pour nous, fabriquer le jeu, c'est aussi redonner la possibilité à des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, de pouvoir réfléchir à quel jeu j'ai envie, quel jeu me plaît, et qu'est-ce que je vais fabriquer, et comment je vais pouvoir après moi m'approprier ce jeu, en découvrant le plaisir de la fabrication, et aussi en pouvant du coup le partager avec d'autres. Si on utilise le jeu aussi, et de la manière dont on veut l'utiliser, c'est bien pour rendre les gens acteurs. Donc c'est pas pour faire une activité de consommation de plus. On est à peu près à 250 adhérents et on a une quinzaine de structures adhérentes aussi. Beaucoup de monde passe par ici pour jeter un œil au début. J'en ai encore vu un tout à l'heure, une dame qui, la porte était ouverte et hop, on voit son œil, son regard intrigué, mystérieux. Elle n'a pas osé rentrer, bon, c'était pas le jour d'ouverture, mais des gens comme ça, il y en a énormément, on leur tend la main, ils rentrent et on leur fait découvrir tout cet univers. On doit être à peu près à 1100 jeux de société inventoriés, donc voilà, plus à peu près 200 ou 300 jeux du monde, donc jeux du monde qu'on a acheté pour certains mais qu'on a beaucoup fabriqué. Plus après tout ce qui va être le matériel ludique pour les plus jeunes, donc des jouets, des jeux symboliques, des jeux de construction. Il y a plein de domaines sur lesquels on ne se rend pas compte, mais de jouer, faire un petit jeu tous les jours ou faire un jeu un peu plus long toutes les semaines, ça permet d'acquérir plein de compétences. Le jeu, c'est quelque chose qui va permettre de faire des essais, de s'enrichir, de créer, d'analyser une situation. Et du coup, en analysant cette situation, mais de faire plusieurs essais pour pouvoir trouver des solutions. Ça enrichit beaucoup, ça rend la personne actrice, vraiment actrice. C'est des choses qu'elle peut transférer dans sa propre vie, quoi. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir et aussi de connaître mieux les autres. Donner justement plaisir aux autres et de transmettre des nouveaux jeux, de transmettre le goût du plaisir. Ça nous procure de la joie, plein de bons moments et des bons souvenirs aussi. C'est beaucoup le lien social. Ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Enfin, je suis un petit peu née dans le milieu associatif. Bah, ça me nourrit de l'intérieur. Plus les gens ont de sourires, plus j'arrive à me nourrir de leur sourire pour pouvoir en redonner. De pouvoir créer un lieu où les gens se sentent bien, où se rencontrent, enfin vraiment miser beaucoup de choses sur la rencontre, ça c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup, quoi. Cette créativité, de pouvoir travailler avec les gens, cette profondeur dans l'univers des jeux, c'est ce qui m'importe, je ne le retrouverai pas ailleurs dans un autre domaine. Pour moi, la vie c'est la mixité. Mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, mixité sociale aussi. De favoriser cette rencontre, effectivement, enfin moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Enfin, pour moi, quand on fait des animations avec juste un public référent, etc., on passe à côté de quelque chose d'important au niveau de l'ouverture. Et pour moi, l'ouverture, la vie, c'est tout le monde, c'est pas une petite partie de la population, quoi. Par exemple, moi, au départ, je suis éducatrice des jeunes enfants, mon premier métier. Donc, je travaillais en crèche.
Et il y avait d'une part un poids hiérarchique qui était très fort, qui empêchait beaucoup la créativité, et le contact même avec les parents. Enfin, pour moi, un lieu de vie comme la crèche, ça doit être avec les parents et pas uniquement les enfants. Après, je me sentais pas libre dans mes mouvements. Enfin, il fallait pour le moindre projet, c'était assez compliqué à mettre en place. Si on voulait faire rentrer les parents, ça c'était des fois assez difficile. Alors que des parents étaient demandeurs de même faire des ateliers au sein de la crèche ou autre. Et ça, c'est des choses que j'ai trouvé vraiment trop dommage, quoi. Tout ce genre de structure, moi, me paraissait trop étriqué. On avait constaté quand même un manque de structure ou d'association ou autre qui pouvait créer du lien social, effectivement, dans les villages. Dire qu'on peut utiliser son temps à rien faire, à jouer par exemple, c'est important. Je ne sais plus qui avait dit qu'effectivement une société qui ne joue pas est une société qui se meurt.